d'être trop fort dans mes oreilles. Et bonsoir à tous. Bienvenue sur le Bakel Live. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas joué. Mais je suis encore en vie. Et ce soir, on fait du Resident Evil 4. Et avec un peu de chance, on va suffisamment avancer pour pas finir le jeu dans 10 ans. Qui, je crois, serait pas mal. Donc la dernière fois, nous venions de finir le château de Salazar. Et on était envoyé directement dans les égouts. Histoire de se faire plaisir. Enfin, de faire plaisir à Salazar, on peut dire, parce que à nous, pas tellement. Est-ce que je me disais, il y avait des trésors partout. J'ai pas l'air de voir. Oh, un monstre! Qu'est-ce qu'il va m'attaquer au bout du corps? Pour te mettre le stress pour que t'avances plus. N'attaque pas avant la fin. Peut-être par le QTE. J'aurais dû prendre un lance-roquet. QTE. Là où on va le sentir passer. Il attend environ 4 minutes. Ne t'inquiète pas, on gère. Toi là, saleté de porte. C'est pas que
que je veux pas poser 15 esquives. Mais... Oh, c'est pas cool, hein. Passage de port. J'avoue, là, j'ai un peu abusé quand même. Bon bah c'était la démonstration de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Salazar is having difficulty taming the American pig. Salazar had his chance. Krauser, go get the girl. Oh, and dispose of the swine while you're at it. Consider it done. Non, on va pas sauvegarder ça. Non.
1, j'ai dit. Merde, il a été chiant. Welcome. Got some rare things on sale. What are you buying? What are you buying? Is that... Thank you. What are you buying? What are you selling? Is that all? Is that all? Thank you. Stranger. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Ah. Thank you. Come back anytime. Oups. Oupsie doupsie. Voy a hacer picadillo. ¡Un farazo! Thank you.
Ah, c'est plus calme là. Et salut à toi, la Mabu. Comment ça va depuis le temps? Ça fait plaisir de te revoir. Enfin, c'est peut-être de ma faute en même temps que je jouais pas ces deux derniers jours. Mais quand même. Augmente le son de quoi? Le mien, le vôtre? Le son du jeu, le son du micro? Eh bien que t'étais quelque part. Le son de ma voix. Est-ce que je peux augmenter le son de ma voix? Je crois que je suis pas mal attaqué là. Ou alors c'est peut-être parce que je parle loin du micro, je sais pas. Le son de ma voix, le son de ma voix. Je crois que je suis attaqué, hein, Namabu. Je suis désolé, je vais essayer de parler un peu plus fort en fait. Peut-être que ça passera mieux. C'est mieux? En fait, je parle peut-être plus dans le micro que tout à l'heure en fait. Ça devait être ma faute, pas celle du jeu pour une fois. En même temps, on peut pas tout systématiquement accuser la config, hein. Des fois c'est aussi ma faute. J'en assume la responsabilité totale. Ayav, ce dynamite. Non, faut que... Rappelle ce que je dois faire exploser. De là, je crois. Un folas, Dios! Oh putain. Ça va être relou. Comment ça? Eh oh. Ah ouais, le doublé comme ça d'un coup. Ok. Ça va. Et me laisser 2 secondes pour respirer, non? Et un de moins. Je sais pas si je peux pas le faire qu'une fois, ça.
peut-être pas tué le bon en fait. J'aurais peut-être dû tuer lui, pas son petit frère. Hein. Tiens, cette fois pour me sauver la vie. Allez, go, 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 go. Eh ben, prends cher dans nos fesses, hein. Pas moi, en tout cas. Ah non. En définitive, il n'y a que moi qui joue, donc. Ouais, mais c'est que ça, voilà. Quand je descends, il est déjà en train de me regarder, quoi. Allez, monte. Et là, tu tapes X. Non, oh, il est pas mort. La la la. Bon, je pense que c'est la scène qu'on aura fait le plus facilement, hein. Et mon chat il s'excite sur la bâche. Il y aura peut-être un marchand de ce côté. Quoi que j'entends des insectes, pas des marchands. Ce que je pensais. Les deux lumières éclaireront un nouveau chemin. Non. Il devrait donc y avoir deux lumières quelque part pour allumer le chemin. GG. Attends de voir ce que je fais d'habitude.
suis tellement bon depuis le début de cette run que... Et ça en devient presque comique. On voyait plus que ça. Solide toi, la cochonne. Je les entends. Ils me suivent. Ils sont partout. Ce bruit d'insectes partout, partout. Oh putain, tiré dans le vent. Plus gros que les autres en fait. Ah, qui survivent mieux. Bon alors la deuxième lumière, elle doit être dans la grotte vu qu'il y avait 50 monstres dedans. Ah non, on va pas appuyer sur l'interrupteur. Il est pas passé avec le pied. Putain, mais il y en a encore. Possible, c'est une invasion alien. Oh putain, l'IA est tellement con qu'ils sont bloqués à la porte. Oh c'est bon. Ils sont peut-être pas bloqués à la porte. Arrêtez. Il y avait une plante rouge.
Ouais, c'est pas faux. L'insigne royal, si je me rappelle bien, l'insigne royal allait sur le sceptre. Sur la couronne, je sais. Pierre bleue d'un côté, il y a peut-être une pierre rouge de l'autre. Vert et rouge. Hop, complet. Lettre d'Ada. Une fois qu'un œuf de Plaga a éclos, il est presque impossible de le retirer du corps. Avant ce stade, les médicaments peuvent faire effet. En dernier ressort, on peut tenter la chirurgie avant le stade adulte, mais leur opération est très délicate. Cette intervention risque fort d'entraîner la mort du sujet. Je pense que l'œuf a été injecté dans la fille avant vous. Les heures sont comptées. Préparez-vous au pire. Welcome. Welcome. Got some rare things. What are you buying? Non, mais toutes les balles, je vais pas le recharger. Ah non. Is that all strength? Thank you. Is that all? Is that? Thank you. What are you buying? Is that? Thank you. What are you buying? Come back anytime. En plus, au pire, j'ai toujours plein de trucs à revendre. Comment ça une fois l'as d'Elos? Eh oh, eh oh. On va se calmer, hein. On n'est pas copains. Viens tout droit, vas-y. Oh, deux! Merde. C'est plus bas, quoi. Et les uns derrière les autres. J'ai eu deux têtes. Bon, pas celle que je voulais, mais j'ai eu deux têtes. J'ai passé à travers le corps du mec devant. Pas que la logique. Des merdes.
pourquoi j'ai rechargé. J'espère que ces zombies que t'as tués, car sinon ils sont très cons. Alors oui, ils ressemblent beaucoup à l'anime Parasite, en effet, dans la forme. Je pense qu'ils s'en sont inspirés, hein, très franchement. Sorte de créature mi-intégrée au corps, mi-sortie, qui sort d'un membre. Surtout dans le cas de Kruger, qu'on verra après. Kruger ou Krager. Enfin, voilà. Et salut Zenchu, comment tu vas? Commençons par la politesse. Tu es très impoli en ce moment. Buying? Is that all? Thank you. Cash. Même style visuel, ouais, c'est ça. Après, si visuellement ça se ressemble, tu le penses ou tu en es sûr? Là, je peux pas te dire, Zenchu. Y a que toi qui peux répondre à cette question, de toute façon. Mais ouais, en effet, si ça se ressemble beaucoup visuellement, c'est pas le même principe tout à fait non plus. Même si ça reste un parasite. Des poussées d'urticaire? Ou t'as traîné dans un coin où t'aurais pas dû, ou tu nous fais une crise de stress, non? J'ai un ami au boulot comme ça qui fait des crises d'urticaire dès qu'il commence à stresser. T'as pas des examens ou des choses comme ça en ce moment? Ou juste le boulot qui t'énerve, je sais pas. Je sors pas, je stresse. Ah merde. Ah, c'est peut-être ça le problème, tu devrais sortir. Pas sans savoir, on ira boire un coup dans un bar. Bon, ça dépend quel âge t'as en fait. Si t'es mineur, bah on ira boire une limonade dans un bar. Enfin, toi tu boiras de la limonade et moi je boirai une bière. La vie est injuste. Paye l'avion, non c'est mort. Vu mon salaire actuel, je ne peux pas me permettre de vous payer l'avion. Je gagne combien? Alors en fait, je suis salarié et je gagne le minimum vital. C'est-à-dire, selon mon patron, qu'avec un SMIC, on peut vivre. Mais bon, c'est vrai que c'est pas lui qui doit vivre avec, donc... Et bonjour à toi, Easy Game. Eh ben, si un jour tu passes en Savoie, je sais pas, moi faire du ski ou quoi que ce soit, on ira boire une bière. Ça peut te faire du bien, hein. Avoir quelqu'un à qui te moquer et tout. Un forastero! Eh oh, un forastero, c'est ta gueule. J'ai entendu
Une putain de tronçonneuse de fils de pute de Nictaras. Oh putain, dis-moi qui va rester en haut. Sérieux, mais crève quoi. Allez, bonne soirée, Zenchu. Eh, peut-être que de l'air frais, ça peut te faire du bien, hein, on sait jamais. Hein. Marche, un petit peu de recentrage sur toi-même. C'est peut-être ce qu'il faut à tout le monde. Moi, le premier, d'ailleurs. Si tu veux, Zenchu. Même si je vois pas vraiment pourquoi. Pense à ta facture d'électricité. Économisons 2-3 balles. Et merde. Ça fait quoi si je le tue avant qu'il ait le temps d'allumer ça? Pas grand chose.
Merde. Faire deux mélanges entiers. Quel con. La 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 pa la bam pa la 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 pa la. Ah, si je peux le détruire avant. Mec non. Je disais que j'oubliais quelque chose. C'est que les trucs là. Ils sont plus rapides que moi. Putain, va falloir que je recharge mon flingue ou mon fusil. Je suis sûr de pouvoir augmenter mon flingue. On va faire, c'est quoi ? Sacrifier. Il va y avoir pas mal de monstres, je me rappelle bien. Oh putain, j'aurais dû recharger. Hop, hop. C'est peut-être un bon choix en fait le flingue. Hein. Attention, à un moment ça va peut-être aller plus vite. Ou alors faut appuyer sur L et R. Allez.
Hey, lève-toi pas, mec. La la lam la la. Sacrifice. Eh ben, ça avance mine de rien. J'en suis à un stade du jeu où je n'ai plus rien. Je me suis dans la merde tout seul en essayant de faire le malin. Et que des mecs comme moi qui font n'importe quoi. Je me rappelle bien ici, il va hacker, mec. Épique. Donnez-moi des balles, quoi, les gars.
Bon, ok, c'est des balles, mais c'est pas celle que je voulais, quoi. Enfin, je veux dire... À un moment, si vous me donnez pas ce que je veux, je rentre à la maison. Oh, il y en a un qui a bougé, là. Ouais, bon, je vais m'arrêter là pour ce soir. Déjà parce qu'il y a personne. Et même si Zenchu a eu la gentillesse de rester sur le stream pour me faire croire qu'il y a quelqu'un, ce n'est pas le cas. Et aussi parce que je suis crevé que... À demain. Donc demain on finit le jeu, hein, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.